Bonjour à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour parler un peu beauté. Comme vous avez vu, je me suis fait belle, je me suis coiffée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'une vidéo coiffure, puisque grâce à ma petite blessure running qui m'empêche de courir actuellement, je me suis mise à la coiffure. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, puisque j'ai décidé de partager avec vous ce mois-ci mes 5 coups de cœur beauté auxquels je me suis vraiment attachée et que j'aimerais vous présenter parce que je les trouve top et je les utilise vraiment au quotidien actuellement. On va commencer tout de suite par mon savon. Alors en fait, j'avais prévu d'en racheter pour pouvoir vous montrer la boîte exacte. Parce que bon bah là forcément dans cette boîte là ça va pas vous parler, mais c'est un savon à la propolis de la marque Ballotte Fluorin. Donc de toute manière je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Donc voilà à quoi ça ressemble en fin de vie. À rien en l'occurrence. Et en fait ce savon c'est déjà, donc j'ai acheté une boîte à savon pour transporter, puisque la boîte dans laquelle vous l'achetez est en carton, et comme je voulais pas qui s'abîme, puisque je l'emmène tout le temps en voyage avec moi, enfin qui s'abîme, je voulais pas qu'il fonde en fait dans la douche pour rien, puis je voulais le protéger aussi de la douche, j'ai acheté cette petite boîte qui vient de je sais plus trop quel magasin, faudrait que j'essaie de m'en souvenir, mais hyper pratique pour emmener vos savons en voyage et avec vous. Et donc ce savon à la propolis est génial pour l'acné. Donc je l'utilise matin et soir deux fois. Donc en fait ce savon, on en avait déjà parlé avec Mylène de Mademoiselle Beau, je vous remettrai le lien de la vidéo par ici, et elle m'a totalement convaincue pour tout ce qui est petite acné. C'est juste génial, que ça soit au niveau du torse, du dos et du visage. Je suis hyper convaincue par ce savon, puisqu'il m'est arrivé plusieurs fois de partir en week-end ou en déplacement et de ne pas l'avoir avec moi, et franchement je voyais la différence sur ma peau. Donc comment il s'utilise? Vous pouvez l'appliquer en fait le soir durant votre douche, donc moi c'est ce que je fais principalement, et c'est deux fois. Donc vous en mettez sur le visage, donc là où vous avez de l'acné, et ensuite vous rincez et hop vous remettez un peu de savon et vous rincez. Donc moi c'est ce que je fais principalement le soir, j'essaie aussi des fois de le faire le matin, mais c'est amplement suffisant et je suis mais totalement convaincue. Vraiment ce savon est magique et ne coûte pas si cher, et forcément vous en doutez, il est bio et il est produit par une marque française du sud de la France, donc Ballotte et Fluorin. On avait déjà parlé aussi dans ma vidéo running, donc ils produisent plusieurs produits autour du miel. Donc voilà, premier coup de cœur, approuvé ce savon. Génial. Autre coup de cœur, c'est la crème Sanoflor masque de nuit merveilleux que j'utilise. Donc en fait il est conseillé de l'utiliser, je le reconnais, que une à deux fois par semaine. Et en fait j'ai tellement la peau sèche qu'à un moment j'utilisais tous les soirs. Donc ça s'appelle un masque, mais moi je trouve que vous pouvez vraiment l'appliquer en crème de nuit. Ça permet vraiment de régénérer votre peau et il y a un effet hydratant mais immédiat et très frais que j'adore. L'objectif de cette crème c'est de raffermir et de restaurer l'éclat de la peau. Et ben honnêtement il marche d'enfer. Je l'ai eu je crois sur une OP début janvier et j'ai pas tout de suite testé parce que je me suis dit ouais, on va pas raffermir le grain de ta peau à 25 ans quand même. Et ben si, honnêtement avec ma peau sèche qui se déshydrate énormément, cette crème est juste magique. Effectivement ils disent de l'appliquer que deux fois par semaine, de laisser donc en couche très épaisse et de laisser 10 minutes. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je l'applique plutôt comme une crème et j'en suis ultra fan. Après il m'est arrivé de le mettre aussi en masque, donc avec une grosse couche, de laisser 10 minutes et de l'enlever. Là c'était vraiment quand j'étais désespérée, c'était quand je rentrais en fait de Laponie et que j'avais vraiment la peau très 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 sèche, et j'en suis vraiment hyper contente. Donc crème de nuit juste génialissime, j'en ai quasiment plus, donc autant vous dire que je suis totalement convaincue. Et forcément c'est Sanoflor, c'est totalement bio. Que demander de plus? Coup de cœur maquillage. Pareil, en fait, c'est encore une fois sur les conseils de Mylène, que je ne remercierai jamais assez. En fait, il faudrait que j'évite d'aller dans ce magasin bio parce que je craque sur tout en fait. Donc, c'est un eyeliner bio. Je vous montre. Hop, l'eyeliner bio. Voilà. Comme vous le voyez, c'est un eyeliner pinceau. Donc, je suis désolée, je suis pas une pro des swatchs ou je sais pas trop quoi. Voilà. Donc en fait je voulais vous montrer en l'appliquant moi-même parce que j'en suis hyper fan. Mais comme vous voyez, vous pouvez être super précis avec cet eyeliner. Voilà voilà. Toulou.
Donc c'est un eyeliner liquide bio. En fait, je crois que c'est l'un des... J'essaie vraiment de convertir ma routine make-up au bio. Donc j'y arrive, mais pas totalement. Je vous avoue que je suis fan de la palette Urban Decay, qui n'est pas du tout bio, hein, mais j'essaie quand même de m'y mettre. Quasiment 80% de mon maquillage est bio, et le eyeliner était, je crois, l'un des derniers bastions bio à ne pas tomber. Je trouvais pas ce qu'il fallait en fait. J'avais essayé plusieurs marques et j'étais jamais hyper contente, parce que moi j'aime bien quand même cet effet liquide avec le pinceau que t'as du mal quand même à retrouver dans les marques bio. Et ben là, franchement, le Lavera, il est pas cher. Il s'applique super bien, il tient, mais vraiment, enfin il tient très très bien, et je vous recommande mais à 100%. Et franchement, en plus, il est pas cher, donc voilà quoi. Comme toujours, je vous remets tous les liens dans la barre d'infos. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est une serviette en bambou pour les cheveux. Un produit que vous avez recommandé en fait avec Mylène, et que ben c'est le mal hein, cette boutique, et que j'ai décidé de tester, parce que comme vous voyez, j'ai les cheveux très longs, et en hiver je galérais littéralement pour me sécher les cheveux. Enfin, j'ai les cheveux très très épais, très très longs, donc je mettais au minimum entre 30 minutes et 1 heure pour les sécher totalement. Donc autant vous dire que c'est une galère sans nom, surtout lorsque je suis en voyage et qu'il y a un tout petit sèche-cheveux que l'hôtel donne. C'est une catastrophe, je peux pas du tout me sécher les cheveux, et résultat, souvent mes cheveux restent humides, dégueux pendant moins 24 heures. Donc j'ai investi dans cette petite serviette bambou qui, comme vous voyez, fait une espèce de capuche en fait, et elle est géniale. Elle absorbe en fait l'humidité de vos cheveux. Je vous montre, hop, vous la mettez comme ça, hop, comme une capuche. Ensuite vous enveloppez vos cheveux, tac, hop, comme ça. Et en fait, juste en haut, le petit truc là, dans le petit nœud qui est juste là, hop, comme ça, vous voyez, et hop, ça tient. Moi voilà, je me trimballe comme ça. Et en fait, je garde à peu près 10-15 minutes cette serviette qui va absorber absolument tout, enfin pas tout, 80% de l'humidité dans vos cheveux après un shampoing. Et une fois que j'enlève, enfin j'ai des mèches qui sont quasiment sèches, et après je crois que je me sèche les cheveux que 5 minutes et mes cheveux sont secs. Voilà, donc c'est une petite merveille, effectivement, qui n'est pas donnée. Je vous remettrai le prix, enfin qui n'est pas donnée. Pour une serviette, ce n'est pas donné, on va dire, mais vous préservez vos cheveux du sèche-cheveux, puisque c'est quand même pas top, hein, le sèche-cheveux, on est d'accord. Et en plus, c'est beaucoup plus efficace. Donc moi, je mets ma serviette, je fais autre chose, je m'habille, tac, tac, tac. Et après, hop, je me fais un petit coup de sèche-cheveux et basta. Et honnêtement, ça va, c'est quand même tout petit. Et puis, enfin, elle est géniale, quoi. Elle se lave très facilement, enfin, le top. Le dernier petit coup de cœur, comme vous avez vu, j'ai testé depuis un mois à peu près la nouvelle gamme Kérastase, donc Aura Botanica. Donc il faut savoir que Kérastase, moi je consommais pas du tout ces produits puisqu'ils étaient pleins de silicone, enfin il y avait... ils n'étaient pas bio quoi, on va dire, ils n'étaient pas du tout naturels. Et ils ont sorti en fait donc cette nouvelle gamme Aura Botanica dont je vous ai parlé sur le blog, je crois, qui est à 98% naturel, éco-responsable, et surtout donc sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Donc ils ont fait des efforts de folie, Kérastase, et surtout ils ont... Il y a deux ingrédients que moi j'adore dans la compo, c'est de l'huile de coco et de l'huile d'argan, puisqu'il faut savoir que j'utilise à fond l'huile d'argan pour mes masques, et j'adore l'odeur de l'huile de coco. Donc ils ont combiné mes deux parfums favoris dans un produit que j'adore. Donc c'est l'huile en brume hydratante. Donc déjà il faut bien la secouer, hein, avant de la mettre sur vos cheveux. Donc personnellement, moi je l'utilise quand je vais courir sous la pluie. Voilà, donc pour celles qui ont les cheveux longs et qui courent sous la pluie, vous connaissez le souci, c'est que dès qu'il pleut, vous avez les cheveux qui gonflent. Quoi que vous fassiez, vous vous retrouvez avec des sacs de nœuds pas possibles, sauf si vous mettez de l'huile. Ça permet de garder vos cheveux vraiment en place, vraiment domptés, et surtout ils sont hydratés et protégés de l'humidité de la pluie ou de l'humidité extérieure. Donc par exemple, quand vous allez courir cet été et qu'il fait très 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 chaud et que vous allez avoir les cheveux qui vont balancer dans la transpiration, j'utiliserai cette huile parce qu'elle est géniale. Elle est en fait, si par exemple vous n'aviez pas prévu de vous laver les cheveux mais que vous voulez quand même les protéger, elle est vraiment géniale pour même mettre en pli un peu vos cheveux, les hydrater. Je suis hyper contente, et c'est un produit qui est un peu hybride au final, qui n'est ni un masque ni une huile coiffante. C'est vraiment une... Il y a ma mère qui passe derrière qui n'est pas donnée, c'est vrai. Mais elle fait vraiment le job, et honnêtement, c'est 3 pulvérisations. Donc moi, je l'ai déjà pas mal utilisée,
Et bah, il m'en reste encore énormément. Donc je pense que si vous achetez ça, vous êtes parti pour au moins 2 ans de produits. Bon, bah j'espère que cette vidéo, enfin cette première vidéo coup de cœur beauté vous aura plu. Je sais pas vraiment comment m'y prendre à chaque fois pour vous présenter ces petits produits que bah, j'apprécie, puisqu'il y a quand même des produits que j'utilise depuis plusieurs mois, et je m'étais dit bah, c'est quand même bien que je puisse enfin vous présenter ces coups de cœur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fera super plaisir. Mais au-delà de me faire plaisir, vous pourrez aussi suivre plein de vidéos qui arrivent sur cette chaîne. Voilà. Si vous aimez bien ma robe, mettez aussi un pouce, parce que je sais que vous avez bien rigolé sur mon Instagram. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Et en tout cas, je vous dis à bientôt.